Shalom, 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 bon Dieu béni tout le monde indistinctement. Encore une autre fois, c'est émission pour là, l'émission Fleuve d'eau vive. Donc nous lancer, amis de partout, quel que soit côté des écrans, nous lancer, nous prions que bon Dieu capable de bénir, que la paix, bon Dieu, l'entre la caillou. Moi-même dit shalom parce que le Seigneur Jésus-Christ te dit la paix avec nous. La paix avec nous, la paix avec chaque monde, chaque famille, chaque ami. Au nom de Jésus, émission en ligne lancée. Donc, toujours continuer à faire le même travail. Partager avec une famille, partager avec une amie, un cousin, une cousine, un frère, une soeur, un tonton, une ma tante, un monde qu'on connaît par ça. Il a vraiment fait le bien. Partager avec d'autres personnes. Nous, bon, Titan fait ça pendant que nous allons commencer, nous allons prier que nous devons l'autre sujet. À la gloire de Dieu, nous devons l'autre sujet. Fais ça au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions que le Seigneur soit capable de bénir. Gloire au Saint-Esprit. Nous prions que le Seigneur soit capable de bénir. Fais ça. Pendant que nous allons prier parce que nous voulons un nouveau sujet. Nous ne faisons pas le temps avec vous, mais nous croyons que dans peu de temps que nous faisons, nous sommes capables de bénir à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Père, au nom du sang versé de Jésus-Christ, nous avançons devant. Nous disons merci pour ton amour et ta grâce. Nous disons merci parce qu'on n'a pas changé. On te a dit que c'est bon Dieu puissant. C'est toujours un dernier mot. C'est l'homme en lien. Père, mes côtés, nous pourrons faire une émission ça. Nous pourrons parler d'un nouveau sujet qui c'est Corneille et Nicolas, ou du moins Nicolas versus Corneille. Et nous pourrons voir la différence qui est entre monsieur ça. Nous demandons autant de prix. Couvre-nous de ta grâce, couvre-nous de ton ombre, couvre-nous de ta puissance, de ta droite triomphante, afin que chaque grand monde qui va suivre mission ça, il va recevoir un bagage, il va comprendre un bagage, il va percer un bagage. Nous demandons au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons fais-nous grâce, gratifier nos présences, onction au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, et qu'il en soit ainsi. Seigneur, bénis-nous une autre fois encore. C'est l'émission pour là, l'émission Fleuve d'eau vive, avec un nouveau sujet qui c'est Nicolas contre Corneille. Nicolas face à Corneille. Nicolas versus Corneille. Quand on soit jeune, on est capable d'utiliser Nicolas face to face avec Corneille. C'est des sujets que peut-être on n'est pas habitué, ouais, ou bien on n'est pas habitué à tendre l'église, mais bon Dieu, ils vont chaque grain. Serviteur lui en façon, c'est comme ça, bon Dieu, ou moins, pour venir avec des sujets que peut-être vous tendez pour la première fois, ou bien que peut-être vous tendez rarement, nous venons ensemble avec lui pour capable de comprendre la parole de Dieu, puis bien, pour capable de comprendre la pensée de Dieu, puis bien. Parce que Gombaga, il dit dans la Bible, dans le psaume, il dit la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Ce qui est drôle, c'est que il n'a pas dit ta parole est claire. Ah, même s'il dit ta parole est une lampe à mes pieds, mais cette lampe pour éclairer ou besoin de la révélation de la parole. Donc c'est ça que fait. Nous connaissons enseigner la parole et pendant que nous enseignons là, la permettre ou capable de vivre, comprendre ça, l'esprit de la Bible. Il y a des gens qui ont la Bible, mais pas l'esprit de la Bible, qui pas comprennent l'esprit de la Bible, qui pas capable alors la théologie ou les exégèse, mais qui pas capable vraiment interpréter. Ça lui ouais pour lui comprendre à la manière de éthiopien hein, qui t'a traversé sous là et puis pendant la traversée là l'Isaïe 53 il est vrai mais intelligence obscurci pour lui t'a comprendre de qui ça l'a parlé jusqu'à ce que Philippe était venu paraître. Nicolas face à Corneille. Nicolas contre Corneille. Nicolas face à face avec Corneille. Qu'est-ce que nous voulons dire de sujet ça? Qui est ce Nicolas Théé? Pour les gens qui habitent sur moi, connaît que nous avons parlé de Nicolas. Maintenant, nous allons mettre Nicolas en face de Corneille. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous allons mettre Nicolas en face de Corneille. Très important. Nous allons mettre Nicolas en face de Corneille. Qu'est-ce que la Bible a dit de Nicolas? Nous avons Nicolas. Nous avons verset qui est à Nicolas dans environ 3 versets. Nous avons l'Acte des Apôtres. Nous avons l'Apocalypse 2, verset 6. Nous avons dit dans Apocalypse 2, verset 15. Mais qu'est-ce qu'il dit? Acte des Apôtres 6, verset 5. Il dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe,
Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas Poseli d'Antioche. Mettez accent sur ça pour moi. Nicolas Poseli d'Antioche. N'a mettez accent pour moi, moi dis encore dans toute cette diac yo cité là yo dans acte des apôtres qui était sept premiers diac yo t'a pral nommé yo te gen ça relé Nicolas Prosélyte d'Antioche. Nicolas était un prosélyte. Et puis devant dans Apocalypse 2 verset 6 l'esprit de Dieu lui pral parler avec l'église d'Éphèse, lui pral dit tu as pourtant ceci. Apocalypse 2 verset 6 c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je ai aussi. Donc, le Seigneur lui louait l'église d'Éphèse parce que l'église d'Éphèse lui trahit les œuvres des Nicolaïtes. C'est-à-dire que œuvres que Nicolas était venu avec lui, nous pourrions parler de ça tout à l'heure. L'église d'Éphèse était une dans l'église qui trahit œuvres ça. Mais cependant, l'église qui c'est l'église de Pergame qui est après la victime de toujours Nicolas. Nous prenons le parler de Nicolas en fond et en large. Apocalypse 2, verset 15. Qui ça lui dit? Il dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, c'est-à-dire, ça c'est Nicolas. Vous prenez à la fin de l'étude ça, à la fin de l'émission ça, il y a une différence claire et nette qui existait entre Nicolas et Corneille. Et au final, ma capable de dire, au lieu que son Nicolas, mieux vaut que son Corneille. Au lieu que son Nicolas à l'intérieur, mieux vaut que son Corneille à l'extérieur, que mon Dieu pourrait aller à l'intérieur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est annoncé, il était dit, beaucoup de premiers seront les derniers, beaucoup de derniers seront les premiers. Nicolas, c'était un prosélyte. Moi, expliqué plusieurs fois déjà à travers l'enseignement mieux. Qui ça yon prosélyte? Yon prosélyte, c'est un monde qui vient entrer et comme si qui vient naturaliser juif, qui vient convertir dans la religion juive. Yon vient les monde en prosélyte. Yon pas vient garder comme un païen encore, yon garder comme un juif, mais puisqu'on vient entrer, on vient greffer, yon le prosélyte. Mais Nicolas, au moment de la durée, ensemble de pratiques que l'il a gagné dans païen, ensemble de pratiques que l'il a gagné avec l'autre coutume côté le sorti yo malgré monsieur vient dans l'église malgré monsieur vient converti monsieur vient prosélyte malgré monsieur fait partie des disciples de Jésus alors disciples après mais malgré ça monsieur gagne des séries de tendances il vient à répéter on dans l'église et nous pas manquer pas jeune des monde comme ça il fut un temps mon n'était d'accord consacrer la bon Dieu à un moment donné, la durée comme si mon nan gon évolution fait mais son fausse évolution parce que dans évolution ça soi-disant dit le faire c'est ramasser la ramasser des choses dans le monde là ramasser des choses qui étaient en pratique et puis vienne dit bon ba m'entre ça ba mixel et puis au final on vient voir mon nan mi fig mi raisin on vient nous joindre mon nan moitié chrétien moitié païen et nous pas manquer des Nicolas dans l'église et au final Nicolas, lorsqu'il fait étude de l'église, tout ça, et l'histoire de l'église, tout ça, après, je n'ai pas de Nicolas, même en content de bon Dieu, il y a un peu de Nicolas qui est fort la Kali, c'est comme plus ou péché, plus grâce. Tu n'as pas de bonnes bagages d'eau. Ce n'est pas qu'on y a un temps, mais parler avec vous pour me dire que ce n'est pas qu'on y a un bagage d'eau la fête dans l'évangile. Ce n'est pas qu'on y a un bat pour infiltrer mauvaise semence en dans l'évangile de Christ. Et ça fait me dire que bon Dieu préserve le cœur, que bon Dieu boit un cœur qui doit, que bon Dieu boit un cœur qui propre pour que les vagues glossales, ça y a venu pour ne pas entrer nous là-dedans. Ah oui, comment tu as compris que un homme tel que Nicolas vient avec une vague comme ça, drôle de coïncidence, en pile monde près là-dedans. Même Jean-Jean et Jodi, il y a des Nicolas qui viennent avec des bagailles sales dans l'église, drôle de coïncidence, ou j'en ai des gens qui croient là-dedans et qui allaient en ligne ça tout. Ça, c'était Nicolas. Cependant, soit classé Nicolas. Nicolas était en dedans ou bien Nicolas était dehors. Nicolas était en dedans. Pendant Nicolas en dedans, l'a fait ça. Et qui est-ce qu'on est l'idée lui-même? Acte chapitre 10. Alléluia. Et la cour dans Malakia. Acte chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier de la cohorte dite italienne. Elle dit cohorte, autrefois elle était liée
et pas ça nous les coordonner jeudi encore du matin la prière tout ça il était lié avec l'armée il était lié avec des jeunes gens tout ça etc. monde qui t'a dirigé un parti en tant que chef. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Oh grand pile bagaille mes bien-aimés. Dommage j'aime qu'on habitué dit émission fleuve d'eau vive c'est toujours des extraits d'émission. C'est toujours des extraits d'émission mais non pas vraiment. C'est toujours des extraits d'émission mais non pas vraiment prend temps pour nous détailler vrai parce que là nous besoin de détails vienne dans conférence non pour nous détailler ou bien dans groupe WhatsApp non sous intéressé avec l'enseignement de la parole ou capable écrire nous même n'a ajouter ou amen amen n'a pas ajouter ou bien mettre description lien WhatsApp là en bas vidéo ça ou même moi juste entrer là dedans pour ajouter mais grand pile bagaille pour nous t'a dit de connaître. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Qui est-ce qui était pieux et craignait Dieu? Yon païen. Yon païen. Corneille, c'était premier païen qui t'apprend à bénéficier de la grâce de Dieu, du parler en langue, de la présence du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit. Cet homme était pieux. On a mis Corneille en face Nicolas là. On a mis Corneille en face Nicolas. Bel match. Nous avons suivi le match avec attention. Cet homme était pieux. Et craignait Dieu avec toute sa maison, s'il vous plaît. Il faisait beaucoup d'aumônes, un, au peuple. Il priait Dieu continuellement, deux. Quand pile bagaille là, Dieu connaît. Verset 2 a dit un paquet de bagaille. Il était pieux, un. Il craignait Dieu, deux. Païen, oui. Ah! Avec toute sa maison, ça veut dire pas seulement lui-même, toute sa maison, trois. Il faisait des aumônes, quatre. Il priait Dieu continuellement. 5. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi des fois, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alléluia. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain de Simon, co-ailleurs, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela de ses serviteurs ainsi de suite. Et par la suite, il sort capable d'aller lire puis l'instruction là-dedans. Et la Bible dit que Pierre était la caille, Pierre après passé son petit moment dans la prière, pendant Pierre montait sous doka vers la sixième heure pour les prier, c'était une heure d'habitude pour le prier, entre parenthèses, un serviteur de Dieu de gain heure pour prier, et puis pendant monsieur allait pour le prier comme ça, il tomba en extase. Pendant que Pierre il tomba en extase, et la Bible dit que Pierre est tombé en extase et puis il voit vision, fameuse vision qu'on connaît. Pierre après le voit des nattes, tout ça, etc. La voix de Dieu après le dit, tu es mangé. Pierre après le dit, pas manger, bagaille qui est impur. La voix de Dieu dit, parle impur, ça moi-même, moi, il est pur. La Bible dit comme ça que, aussitôt que Pierre en vision, pendant qu'il a réfléchi dans la vision, il a levé la dent, c'est alors qu'il vient relever Pierre. Et la voix de Dieu dit, Pierre, où m'est allé? C'est moi que vous et mon ça. Et lorsque Pierre lui-même y allait vers Corneille, Pierre dit, le chapitre là après. Pierre dit, on connaît en tant que juif, pas trop qu'a gagné rapport avec mon temps couyo, parce que c'est pas rien, parce que quand ça juif d'autres fois y était quoi. Histoire ça grand pile leçon. Grand pile leçon. Et ça fait nous connaître l'évangile d'équilibre. Nous pour expliquer ça à clair. Et lorsque Pierre allait Kounia, Pierre arrivé la caille Corneille. Et puis Corneille dit, bon, ou bien fait pour te venir, mais qui ça moi en vision, mais qui ça, mais comment. Pierre dit, de même, moi-même, bon Dieu, fais qu'apprendre moi tout pour me parler impur, pour me pas garder sous apparence, pour me pas faire exception de personne. Et puis il dit, Pierre, ok, entré. Et puis il y a plusieurs monde qui étaient venus, des amis proches de Corneille étaient venus ce jour-là. Des membres de la famille de Corneille étaient là également, des amis proches de Corneille. Et puis, Pierre lui commençait à enseigner. Donc, qui ça qui passait? Pierre lui était païen. Corneille était païen. Des gens qui étaient là également étaient païens. Et puis, Pierre lui commençait à enseigner.
pendant que Pierre lui a enseigné, la grâce de Dieu lui descend sur toute maison. Des gens commencent à parler en d'autres langues. Pour les gens qui connaissent, dit que le parler d'autres langues pas existant encore, ça c'est l'autre sujet, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais la Bible a dit que monsieur a parlé en d'autres langues. Pierre saisit. Et alors, vision monte dans la tête, Pierre vient comprendre. Et puis Pierre dit, est-ce que nous avons refusé mon saillot baptême d'eau alors que nous recevons le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons refusé le baptême d'eau alors que nous recevons le Saint-Esprit même bien avec nous? Et puis Pierre l'a baptisé au nom du Seigneur. Qui ça qui passé? Corneille était païen, mais il était gagné des sentiments juifs, des sentiments nobles, des sentiments qui spirituels, des influences qui spirituelles. C'est là toute différence la chita entre Corneille. Est-ce que mon cap suivre moi? C'est là toute différence la chita entre Corneille et Nicolas. Nicolas c'est un monde qui en dedans a influence dehors. Aïe. Mais Corneille est un monde qui dehors a influence en dedans. Est-ce que mon cap suivre moi bien? Voilà, mais toute différence là. Nicolas c'est un monde qui soi-disant juif, prosélyte, juif à influence païenne. Tandis que Corneille est un païen à influence spirituelle ou juif. Parce que qui côté Corneille à la kona mala kibiahot. Qui côté Corneille joue un désir ça, il joue une poule ça pour l'apprendre prier continuellement. Qui côté Corneille joue une poule ça pour l'apprendre faire aumône. Qui côté Corneille joue une poule ça pour lui gain craintif pour bon Dieu. C'était des influences. Voilà pourquoi m'a dit que ou même qui gain chance pour en dedans, bat pour cœur pas dehors pour cœur qui en dedans parce que gain possibilité pendant en dedans cœur dehors, gain monde qui dehors cœur en dedans aussitôt que Bible a dit là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. Côté cœur y est sans parler nous compte la mené corps. Suivez-moi bien. Côté cœur y est tôt ou tard la mené ou même tout ou même là. De la même manière, lorsque bon Dieu voulait lever, il levait non d'abord, on après il fait non, râle ou même. Parce que les Joseph l'en prison, non Joseph est arrivé dans le palais royal. Et après Joseph pile. De même tout pour cœur, il n'est pas différent. Côté cœur, il y a. Côté cœur, il nous rire. Sous parent, nous compte ou ta cœur, il râle l'en position. Voilà pourquoi que Corneille n'était pas un, mais cœur était dans les choses de Dieu. Jusqu'à ce que cœur Corneille qui était dans les choses de Dieu, râle Corneille. Il râlait Corneille dans la maison de Dieu. Alors que Nicolas qui était en dedans, mais avec un cœur païen, un cœur dehors, et tôt ou tard, il râlait Nicolas dehors. C'est la raison qui fait que lorsque l'église, lorsque bon Dieu fait grâce, ou abandonner le monde, abandonner le tout bon, pas fait comme ancien juif ça, comme texte dit, comme au jour de la révolte. Qui te rete avec cueil, cap songe concombre en Égypte, cap songe betterave en Égypte, cap songe des choses en Égypte. Non, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Côté que cœur y est, c'est la trésor à pied. Si cœur c'est dans le monde, l'ichita, gen moun malgré dans l'église, dans la li, soi-disant dit l'homme de Dieu, mais tendance li païen comme Nicolas. Pendant un temps, ou a prêché, ou a fait toute une série de choses. Ou kembe bibou bien bordé en bas mer, ou kembe chan d'espérance ou bien bordé, avec un sentiment païen, kon sa gen de païen de yo, quel gen attaché à bon Dieu, li rete seulement pour recevoir Jésus. Aïe. M'pa plong, gen tan fini avant là. M'dou gen païen ki de yo, gen païen ki de yo, malgré le de yo, li gen craintif pour bon Dieu. Malgré que lui peut recevoir le Saint-Esprit, peut recevoir Jésus, mais il a une prédisposition pour faire le bien. Voilà pourquoi Jésus est arrivé à côté, il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Cela veut dire qu'il y a des gens qui tout naturellement ont une prédisposition dans le cœur pour que l'attache à bon Dieu. C'est quoi qui peut suivre cœur, mais cœur prend des vents. Nous avons dit que prudent avec cœur. Voilà pourquoi la Bible a dit dans le proverbe, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Très souvent, côté cœur aller la mener tout reste corps.
côté que aller la mener tout le score. Et ça fait prudent avec qui côté que après aller. Prudent avec qui côté que après aller. Est-ce que que a pas nourri adultère? Tôt ou tard la mener corps à l'adultère. Est-ce que que a pas nourri vol? Tôt ou tard la mener corps à l'envol. Est-ce que a li pas nourri mensonge? Tôt ou tard la praler corps dans mensonge. Mais est-ce que a tout? Li pas nourri des miracles extraordinaires. Tôt ou tard la praler miracle yo. La entre dans dimension miracle là. Est-ce que a tout li pas nourri yo l'autre dimension à bon Dieu? À la côte bien à kanta yele kena mala côte. Aya la sakapaya. Est-ce que que ali pas nourri en l'autre dimension avec bon Dieu? Tôt ou tard la pral corps à tout ou même dans l'autre dimension avec bon Dieu. Est-ce que ali pas soupirer? Al tande tout homme de réveil, tout homme bon Dieu a utilisé kounya. Ou ap tande yo tout te bon temps, yo t'a crié. Te bon temps, t'a tande pas seulement ce qu'a dit. Te bon temps tellement senti le gon soif en dedans. Lorsque moun pa ka comprendre ni, la l'enrager pour pousser des cris, pour dégager sa kan dedans là. Ça que l'a nourri et au final que l'a mené l'ai. Que l'a mené l'a dimension que quel te gétan hier. Quelle direction que on prend et par rapport avec dimension que on prend à la katabina rotaya ou besoin contrôler cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant pendant on prend soin cœur et puis cœur menéon à ya katamina rota cœur menon dans dimension. Alléluia, si que c'est dans fatra là les d'abord, même sous est corps dans l'église, toi ou ta corps pral dans fatra parce que que al dans fatra. Mais si que amène vers les choses de Dieu, toi ou ta ou praler puis fond dans les choses de Dieu parce que que nourrit les choses de Dieu. Mais si que toi ou mélanger les choses de Dieu avec les choses du monde, ou vin exactement ça les Nicolas, ou pratiquer les œuvres de Nicolas, toi ou ta ou prend dans l'église, ou prêcher bien, ou coucher femme, ou prêcher bien, ou bailler ou à prêcher bien, ou à voler, ou à faire escroquerie. Mais si cœur li aller vers les choses de Dieu, malgré en faiblesse, grand joie privée, ou à dominer dans le nom de Jésus. Nous pas durer avec ou en pile. C'était là une face pour face entre Corneille. C'était là une face pour face entre Corneille avec Nicolas. Nous prions que bon Dieu est capable de bénir, nous prions que bon Dieu est capable de couvrir et qu'il est capable de traiter cœur pour le bâtir une vraie directive dans le nom de Jésus de Nazareth. Père Saint, nous disons merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. Je dis à nous pas durer, mais nous te voulons montrer avec peuple. Nous te voulons montrer avec monde qui est habitué à suivre l'émission, ça, qui est important ce qui gagne leur traiter cœur. Seigneur, nous demandons tant prie. Gardez cœur nous. Gardez cœur nous. Nous pas fait tête nous confiance. Mais nous demandons tant prie, traitez cœur nous, traitez cœur nous, traitez cœur nous, et kembe nous, chaque grand monde qui t'a suivi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions, va faire nous grâce et conduis-nous dans le nom de Jésus. Et au monde qui t'a cherché une nouvelle dimension, s'il vous plaît, par côté cœur rive la caillou, râlez tout lui-même venir joindre nous. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. À la prochaine pour une autre plus belle émission. Chargez sujet pour nous partager avec vous. Que bon Dieu bénisse.